Bonjour et bienvenue pour le concours de blagues hashtag 4. Voilà, on est déjà à la quatrième édition. Comme quoi, quand un concept plaît, il y a moyen d'en faire quelque chose de cool. J'ai pris en compte vos remarques, donc voici le chat. Même en étant chez moi, je l'avais mis lors du dernier à Paris. Bah, il est également présent aujourd'hui, donc faites concours au chat et les personnes qui ont la chance de regarder ceci en live. Il y en a qui me demandent, c'est quand le concours de blagues? Alors au début, je voulais le faire le samedi après-midi. Là, on est le dimanche après-midi. Celui de la semaine dernière, c'était le lundi soir. Aucune cohérence, aucune constance chez Zach, mais on va essayer de le caler grosso modo quelque part dans le week-end, souvent l'après-midi. Parce que voilà, l'après-midi, il fait beau, il fait chaud, on a souvent bien mangé, nos hormones sont dans un état absolument bon, je dirais, bon en tout cas pour pouvoir rigoler. Donc c'est parti, concours de blagues hashtag 4, est-ce qu'il va être aussi honteux que le dernier? Je l'espère pas parce qu'à des moments j'avoue que c'était difficile, mais je sais que mes abonnés ont de l'humour. Commençons tranquillement, c'est parti. Bonsoir. Salut, salut. Ça va? Ouais, ouais, une petite blague tranquille. T'es le tout premier, tu open la session, alors j'espère que ta petite blague tranquille est au niveau. J'espère aussi alors. Vas-y, tu sais comment elles communiquent les abeilles? Non. Par e-miel. J'avoue, j'ai souri. J'avoue, j'ai souri, mais c'est pas suffisant. J'ai un peu honteux. Ah, je me suis dit pas de blague bof pour commencer et tout, t'as vu? Un peu honteux. Bah, vas-y, j'ai envoyé le petit sourire, ça suffira pas pour gagner, mais merci à toi. C'est pas grave. Au moins, on te met de bonne humeur, au moins. Pas de souci, merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, tu t'es appelé Eric Zemmour, donc j'ai beaucoup d'espoir sur toi. Vas-y, dis-moi tout. Alors, pourquoi les crocos? Tous les crocos sont en prison. Je sais pas. Parce que tous les crocos, ils disent du shit de sa mère. Bon, allez, je vais me défenestrer. Je vais me défenestrer. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille. Bon, vas-y, fais-nous ta blague. Est-ce que tu sais où on peut trouver un tétraplégique? Je sais pas. Là où tu l'as laissé. Tu sais que t'as double combo, blague pas mal et cheveux sur la langue. Ça, bon, c'est gagné, monsieur. Donne-moi le pseudo. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va super, gros. Allez, fais-moi rêver. C'est un petit demande à sa maman. Maman, je suis juif ou arabe? Elle répond, je suis algérienne et ton père est juif, donc les deux, pourquoi me demandes-tu cela? Il dit, c'est parce que là-bas, il y a un scooter et j'hésite entre le voler ou le vendre. Allez. Monsieur! Ah mais il est mort de rire lui en plus. Regardez, il est mort de rire lui en plus. Mais on est où là? Bonjour monsieur. Allô Zach, ça va? Ça va tranquille? Donc dis-moi, quel est le tigre qui nage le moins bien? Je sais pas. Le tigre Grégory. Oh, oh mon dieu. Oh, oh Seigneur. Allez, un pseudo, c'est un award, ça, frère. Ouais, mon sub, il finit demain. Eh ben, demain, reviens me le réclamer, gros, c'est moi qui te le repaye. Okay. Bonjour, monsieur. Wesh. Ça va ou quoi? Wesh, très bien, et toi, Zach? Franchement, je suis de bonne humeur, mon gars, désolé, je suis en train de boire de l'eau. Donc, c'est l'histoire de deux puces, genre des sortes de microbes, tu vois. D'accord. Et là, les deux puces, elles trouvent une femme sur qui dormir, tu vois, pour la nuit. Ok. Et le lendemain, elles se réveillent, tout ça, elles se voient. La première, elle dit à l'autre, putain, moi, j'ai dormi dans son nombril, c'était chaud et confortable, c'était trop bien. Et là, la deuxième, elle lui dit, putain, moi, j'ai mal dormi, c'était un endroit bizarre, il y avait un chauve qui arrêtait pas de rentrer et sortir, et quand je lui ai dit, soit tu rentres, soit tu sors, il m'a craché dessus. Bon, bah salut, moi en tout cas, Zach, je te suis depuis 2015. Et attends, j'ai un message à passer. Est-ce que sur Radio Street, tu peux raconter l'histoire du joint à la GA et tu t'es allongé sur le sol? Allez, bisous, Zach, je t'aime. Oh, la blague était dramatique. Et en plus, il est passé pour m'afficher. Bonsoir, Marwan. Bonsoir, Zach, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Tu m'entends bien ou pas? Parce que live... On t'entend bien, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugle? Je sais pas. Un festival de Cannes. J'ai mon seul. Oui. Bonjour. Allô. Alors, ma blague, c'est... À la bibliothèque, un fou demande. Je voudrais un livre, s'il vous plaît. Oui, de quelle hauteur? Oh, 12 cm environ.
Je suis mort, t'es venu lire un parchemin. Il y a eu lecture. Oui, oui. Y'en a, il a dit, il avait un prompteur. Eh bah écoute, tu sais moi ce que je vais faire. Je vais offrir l'abonnement de celui qui a dit que t'avais un prompteur. De toute façon, je suis déjà safe, c'est pas grave. Quel frère. Merci à toi, vraiment, bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Bien et toi, mon gars? Ouais, ça va super, gros. Alors, j'ai deux blagues. Je te fais les deux ou une des deux? Si la première est drôle, t'as le droit de faire la deuxième, vas-y. Ok, alors, dans la phrase « Le voleur a volé une télévision », où se trouve le sujet? Je sais pas. En prison. Déjà faite. Jure? Bon, c'est pas grave, alors j'ai une autre. Pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes? Je te jure, j'ai pas envie d'entendre la réponse. Ok, bon, bah, bonne soirée. Allez, c'est plus bien. Allez, bonne soirée. Bonjour. Yo, Zach, bien ou quoi? Ouais, bien, et toi? Ça va, hein. Qu'est-ce qu'un spermatozoïde avec une mallette? Je sais pas. Un représentant de mes couilles. Tu sais que je l'avais jamais entendu, celle-là. Franchement, je sais pas, mais j'ai aimé, du coup, je l'ai dit. Eh ben écoute, monsieur, donnez un pseudo, c'est gagné. Franchement, ouais, pas besoin. C'est juste pour le plaisir. Bon, moi, ça me fait plaisir d'offrir. Ou alors, je fais quelqu'un au hasard dans le chat, si tu veux. Bonjour, monsieur. Tranquille, et toi? Bah, écoute, ça va, hein, vas-y, hein. J'ai envie d'être... j'ai envie de rigoler. Là, tu vas rire, tu vas rire. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui redescend? Petit, vert, qui monte et qui redescend? Je sais pas. Ok, un scout sur les genoux d'un traître. Vas-y, le tarant. Je l'avais déjà entendu, mais je vous jure que la réponse, je m'en rappelais pas. Je suis bien content de ne pas me rappeler de cette réponse. Bonjour. Ouais. Vas-y, on refait passer un PC. Bonsoir, monsieur. Mais les PC, ils ont peur. On va redonner une chance à un PC. Bonjour. Non, mais... Allô? Oh, j'ai... Ouais, allô, Zach, bien? Bien? Ben, et toi? Ah, bah, t'es déjà passé, toi? Ah, ça fait 10 000 fois, j'essaye de passer, j'arrive pas. Bon, vas-y, dis-nous tout. J'ai un contre-temps. Bref, j'ai une petite blague. Quelle est la différence entre une loubia et un P? Je sais pas. Environ une heure. Il y en a dans le chat, ils vont pas savoir c'est quoi les loubias. Environ une heure. C'est suffisant ou pas? Vas-y, tu le veux trop, c'est suffisant. Vas-y, donne-moi ton pseudo. Bon, pire, c'est pas grave, je m'en fous du sub. Je peux lâcher une dédicace? Vas-y. Dédicace à Rabat, le plus gros crâne de France. En gros, pour ceux qui savent pas, loubia, c'est haricot blanc en arabe. Et les haricots blancs, ça fait péter. En tout cas, au Maroc, tout ça, machin, on le sait. Bonjour, monsieur. Allô, frérot, bien quoi? Bien, et toi? Tranquille, tranquille. Alors, petite blague. Hier matin, t'avais un noir, et il m'a pris par les sentiments. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Je sais pas. Qu'il m'amadou. Ou Marcoach, au revoir. Bonjour, monsieur. Allô. Tranquille? Ouais, toi? Ça va super, gros. Qu'est-ce qu'un lépreux dans une piscine? Je sais pas. Falgan. J'ai rien entendu. Dafalgan. J'ai pas compris. Un lépreux dans une piscine, Dafalgan. J'ai toujours pas compris. Ah, ok. Ah, ok, sa mère, je suis con. Oh, putain, non. Ah, j'avais oublié que le Dafalgan, ça piche dans l'eau, ça s'évapore. Ah, l'aide. Putain, non. Ah, c'est moi, je suis hanté cette fois. Au secours. Je suis putain de con. Bon, bonjour, monsieur. Attends, il faut que je me souvienne de ma blague. Vas-y. Bah, ouais, ce serait bien. Comment tu sais... Si. Ouais, non, en fait, c'est nul. Ah, il a effet menteur. Est-ce qu'il est encore là? Non, mais j'insiste, je veux lui ouvrir. Oh, gros début de toi, je t'en prie. Off mon sub, c'est Mbaporch mon nom. Attends, j'ai écrit un message là. Prends ton dû, monsieur. Voilà, c'est mon sub. Hop là, regarde, hop, offrir un abonnement. Voilà, merci. Bon après-midi. Bonjour, monsieur. Ouais, salut, ça va? Bien et toi? Bah, ça va, ça va. Allez, fonce. Bon,
ma blague, là, je suis pas très sûr parce que ça va pas forcément plaire à tout le monde, que j'ai à dire. Ok. Qu'est-ce qui fait 36 cm et qui fait crier les femmes dès 8h du matin? La mort prématurée, prématurée du nouveau-né. Tu t'es raté. Ouais. Tristesse. Excuse-toi. Excusez-moi, les gars. Peut-être que je reviendrai. Inch'Allah. Allez, passe une bonne après-midi. Excusez. Il s'est excusé. Bonjour. Quel est le meilleur cadeau pour un orphelin? Je sais pas. Un boomerang, au moins lui, il revient. Oh, le bâtard. C'est noir, c'est noir. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas rigolé au sens propre du terme, mais je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé hard, celle-là. Vas-y, 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 donne un pseudo. Je te la donne. Je te la donne. Mais vous savez qu'il y a un mec qui est en train de streamer sur mon Discord? Qu'est-ce qu'il... Il est en train de me... Attends, on va voir ce que ça dit dans ce... Avec moi, cul, Zach. Ah, mamie, j'embrasse le front. Moi bien, fils de pute. Oh, le zoo. Oh, le zoo. Oh, la commu de malade. Voilà ce que font les bonhommes quand ils attendent de venir raconter la blague. Ils sont tous comme ça, en train de posticher. Mais tu m'étonnes qu'il y en a, je les mets dans le channel pour qu'ils viennent raconter la blague. Et ils retournent direct dans le channel en dessous. Il y a trop d'ambiance, en fait, c'est incroyable. Bah tiens, du coup, voilà, je prends celui qui est en train de streamer. Bonjour, monsieur. Ouais, Nani. Ouais, Nani. Oh, bah, apparemment, t'avais l'air d'animer une bonne soirée, là. Ouais, 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 j'ai foutu le zoo, là-bas. Bon, bah, vas-y, du coup, j'espère que tu vas foutre le zoo avec ta blague aussi. Ouais, ouais, bah, on verra. Tu sais ce que c'est des handicapés dans une piscine? Je sais pas. Une soupe à légumes. Non, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, vas-y. Non, et voilà, ça fait une heure que j'attends, voilà, du moment que c'est bien. C'est dommage. Eh, j'étais le deuxième. J'étais le deuxième. Dommage, dommage. Non. Putain, quoi. Vas-y, je vais retourner baiser ma sœur. Au revoir. Bonjour. Ouais, ouais, ouais. Bien. Ça va, ça va. Bon, bah dis-nous tout. Quelle phrase peut-on dire dans une voiture ou pendant l'amour? Je sais pas. Y a pas beaucoup de place dans cette 2008. Allez. Oh mon dieu. Et vous êtes morts de rire, hein. Regardez-les là, hein. Regardez-les les animaux. Regardez-les les animaux. Carrefour, là, je suis passé. Là, il a un, il a là. Là, il a un, il a là. Oui, oui, bon, on arrête les invocations, on fait sa blague, monsieur. Attends, je peux dire un truc avant? Vas-y. Eh, je t'aime. Oh, mais c'est gentil, ça. Elle est pas fou, mais vas-y, tu connais... Alors, je te disais, ouais, en fait, ta vie, c'est l'histoire d'un soldat, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se mange un obim skin, Arrahimo, il est mort. On l'amène à l'infirmerie. Du coup, il se fait diagnostiquer, tout ça, et il en pleure. Enfin, il peut pas voir sa famille, il pense qu'il va mourir, tout ça. Il s'est mangé des éclats d'obus dans la partie inférieure de son corps. Après, le médecin, il vient le voir, il lui dit, alors, monsieur... Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Il lui dit quoi? Monsieur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Vous voulez que je commence par laquelle? Vous voulez que je commence par laquelle? Il lui dit, nique sa mère le seum, c'est bon, voilà. Voilà, pour aujourd'hui, c'est bon, nique sa mère. Commencez par la mauvaise, monsieur. Il lui dit, bah, je suis vraiment désolé. On va devoir vous amputer les deux jambes. Et la vôtre, c'est quoi? Il lui dit, si vous voulez, il y a le monsieur au fond de la pièce qui veut racheter vos chaussures. Oh, c'est un fou. Oh, c'est un fou. T'es sûr que tu veux pas ton seum? Oh là, je le veux. Vas-y, donne ton pseudo. Concours de Black 4, terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, tu sais quoi, à me suggérer un gars qui pourra venir juger avec moi. Comme ça, le cinquième, je prends une autre personne qui viendra juger les blagues avec moi. Quelqu'un que vous connaissez, ça peut être cool ou quoi. J'avais pensé à Yas. Bon, le frérot Yas, c'est pas dispo, malheureusement. Donc, si on peut avoir quelqu'un de coolos comme ça, tu vois, qui vient, qui écoute les blagues et tout, et qui réagit comme ça, bah, ça peut être sympa. Donc, merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao!